Sun Symphony V est une nouvelle version du logiciel de DataCore Software qu'on a donc présenté le 31 janvier. Cette version de logiciel a aujourd'hui pour objectif d'unifier les deux produits qu'on avait historiquement chez DataCore, qui sont Sun Melody et Sun Symphony, qui avaient tous deux un objectif différent. Sun Melody est un produit orienté plutôt PME-PMI, Sun Symphony un produit grand compte. Sun Symphony V est un produit qui s'adresse à tout type d'entreprise, aussi bien de la PME-PMI qui pourrait avoir que quelques gigas de données à mettre hautement disponibles. Un exemple, on a un groupe qui s'appelle le groupe Aost, qui a une usine, entre autres à Grenoble. Les données, c'est 300 gigas de données à mettre de façon hautement disponible. Donc il est évident que pour des volumétries aussi faibles, de partir sur des SAN complexes qui n'apporteraient pas non plus la solution de haute disponibilité, DataCore va simplement éteindre un logiciel, s'installe dans un serveur avec des disques internes, et en l'occurrence sur ce compte, c'est simplement deux licences logicielles DataCore qui s'installent sur deux serveurs et qui vont être répliquées l'un vers l'autre avec un failover fallback. Ça, c'est le premier domaine d'application. On peut commencer par ce type d'application, et plus vous aurez de data à répliquer et à sécuriser, et plus vous aurez la capacité de rajouter des baies externes. Encore une fois, ça peut être des baies Fibre Channel, des baies SCSI, tout type d'attachement, puisqu'on gère n'importe quel type d'attachement, et vous allez avoir la capacité à gérer des volumétries conséquentes. Et au fur et à mesure où on va monter dans les volumétries, l'intérêt d'une solution logicielle qui s'installe sur un serveur, qui externalise finalement le contrôleur DB sur un SAN, c'est qu'on a la capacité à faire du grid storage, donc à rajouter autant de contrôleurs dont on a besoin, et donc de s'adresser à des grands comptes qui pourraient avoir à gérer des centaines de teras, chaque contrôleur faisant de la répartition de charge avec le deuxième, troisième, quatrième contrôleur, pourra la capacité à gérer l'intégralité Pour les deux des premiers avions. produits, le mode de licence du produit est assez simple. En fait, on a cinq versions logicielles qui intègrent pratiquement toutes les options. Vous avez directement le protocole iSCSI. Pour les trois derniers, vous avez toutes les options synchrone, asynchrone, snapshot, iSCSI, Fibre Channel. Et on a la capacité à monter jusqu'à donc plus de. On n'a pas de limite finalement en termes de volumétrie. La dernière licence gérant des volumétries supérieures à 128 Tera, jusqu'à la quantité dont vous avez besoin. Aujourd'hui, le plus gros site mondialement qu'on a en gestion aujourd'hui doit être de plus de 500 Tera. Et à ma connaissance, je pense que c'est l'hôpital Maimonides qui est aux États-Unis, qui est un grand centre de recherche avec plusieurs milliers de chercheurs. Et l'intégralité du SAN est gérée sous DataCore. Sur des références européennes, aujourd'hui, on a quand même pas mal de références aujourd'hui qui sont probablement la plus grosse ZDF en Allemagne, qui est une chaîne de télé. Et on a aussi d'autres références type SES Astra, PricewaterhouseCoopers, pas mal d'autres références en Europe qui gèrent les produits avec multiples nœuds. Une référence en Europe que je vais citer quand même, c'est SES Astra que je viens de citer. C'est aujourd'hui 8 contrôleurs DataCore, 5 qui sont en Europe et 3 qui sont aux États-Unis. Aujourd'hui, dans le monde de la virtualisation, effectivement, on parle de façon générale de virtualisation de poste client, de virtualisation de poste serveur. DataCore est une solution de virtualisation de stockage, telle que le définit le SNIA. Qu'est-ce que c'est que la virtualisation de stockage? C'est simplement ni plus ni moins qu'une abstraction totale des couches matérielles basses, des couches d'infrastructure, encore une fois, et telle que le définit le SNIA en termes de concurrents. Certaines sociétés comme Falcon Store ont une approche à peu près identique à celle de DataCore. Des produits qu'on peut trouver chez IBM, type SBC, est également un produit qu'on peut retrouver sur ce marché. Un autre concurrent qu'on peut trouver très régulièrement, qui est NetApp avec Metro Cluster, on peut dire que philosophiquement, ce sont deux produits qui sont extrêmement proches. Un est propriétaire, l'autre, DataCore est une solution logicielle et qui va offrir à Metro Cluster une solution de failover fallback à n'importe quel type de baie, qu'elle soit un simple DAS ou qu'elle soit une baie Fibre Channel iSCSI. Donc l'idée de ce produit, c'est bien d'apporter des fonctionnalités à des baies de stockage qui ne les ont pas forcément, qu'elles soient bas de gamme ou qu'elles soient entrée de gamme.